Voilà les amis, je suis en train de faire la monture de mes couteaux. Voilà. Il faut encore beaucoup de travail dans ma petite ponceuse. Voilà. Et voilà. Là on met comme ça ici. Et on passe. Hop. Ici, j'ai réglé les degrés là. Comme vous pouvez voir, regardez, elle n'est pas d'équerre. Hein. Voilà. Et le petit morceau de bois. Le petit morceau de bois, il est coupé d'équerre partout. Regardez, quand on met ici, comme ça reste. Et on fait que ça. Voilà. Toujours comme ça, hop, et on arrive bien à faire les deux côtés pareils. On refroidit de temps en temps et c'est bon. Voilà le couteau de monteur déjà fait. Regardez. Je laisse les traces comme ça. Avec les de forge, moi j'adore, j'aime bien avoir comme ça. Voilà, celui-là, la monture elle est faite de celui-là. Maintenant il faut poncer jusqu'au papier. Là j'ai poncé jusqu'au 120, j'ai fait des montures jusqu'ici. Là, ça va être des couteaux de cuisine. Hein? Ici, il y a les grands trous là, c'est pour passer via la colle. D'un côté de l'autre, après la plaquette, ici au milieu, il va avoir trois machins en laiton, là, trois rivières en laiton. Hein. Et j'ai poncé tout avec la petite ponceuse à bande. Voilà, et moi je fais de cette façon, comme ça. Les bandes que j'utilisais là-dedans, c'était une bande de grain 60, mais il faut en descendre encore, hein. Je peux descendre jusqu'au grain 36 pour vraiment pour bouffer. Hein. Voilà, c'est le grain 60. J'avais une vieille de grain 80 et j'ai mis une neuf de grain 120. Et voilà, les trois bandes sont encore impeccables. Les deux là, ils sont encore impeccables. Celui-là, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle travaille. Et voilà, ça donne encore pour beaucoup de pas mal de couteaux encore. Et voilà, c'est des bandes que j'achète sur AliExpress, pas cher. C'est déjà la trempe des couteaux. Et je fais le revenu, voilà, le jeune paille qu'on cherche. J'espère qu'il va se voir bien. Voilà, j'ai dressé les lames. Tout. Hein. Regardez. Il y a seulement ici au bout, on voit qu'il manque un petit peu. Vous voyez, ici il manque un peu. Mais ça ici, c'est ce que j'ai enlevé. C'est les montures, hein, ce qu'on voit ici, ce qui manque là au bout, là, c'est les montures de couteau là. Voilà, comme ici c'est pareil, il est bien aligné partout, mais sauf que là-bas c'est la monture qui manque. Voilà, le bout d'acier qui manque. Voilà, ils sont alignés. Là maintenant je vais poncer avec le papier 150 dans la machine et après c'est tout à la main. Voilà. Les couteaux forgés.